Qui entre la carrière pour semaine ça avec coach Kenol. Nous allons parler de championnat CONCACAF Haïti qui retrouve le non groupe qui est extrêmement difficile. N'a pas le point coup de jetou dans Coupe d'Europe 2024 et également dans Copa América. Et puis nous allons parler de un pilote information. Restez branchés, n'a pas tourné après pause là dans l'émission pour la carrière sportive. This July 20th, a night with the legends is set to take place. Baba's production presents the 19th annual Le Grand Nord en Soirée Dinner Gala. As we honor some of the greats with live performances by Class. It's Class Live. Also performing Roger Collard Jr., Meister of New York. As we honor Serge Delisten, Emmanuel Adebar, Eric Ockes, Dardino Adreville. This is the 19th annual Glenor Dinner Gala, Saturday, July 20th, at the Ramada Grand Ballroom, 19201 Collins Avenue, Sunny Isles, Florida. Admission is $175, with food included. Doors will open at 9 p.m. Showtime starts at 10. This July 20th at the Ramada Grand Ballroom, 19201 Collins Avenue. For info, call 786-306-6449. This is an event you can't miss. Désormais, ou capable faire tête ou un bel cadeau compa, ou bien ou capable faire un proche, une famille, un ami, un ménage, un bel compa cadeau. Placez commande jodi a même pour un maillot, un képi, un gobelet, une plaque machine ou bien une plaque machine à tout en cadeau ban. Rele Jean-Claude Vivens dans 240-463-71-96, 240-463-71-96. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un pile qui est content que notre carrière pour nous présenter au carnet sportif n'a pas dérapé là avec championnat CONCACAF. Afin de que le coach Angelo Jean-Baptiste, monsieur les 60 joueurs pour le défendre en couleur sélection haïtienne de football. Mais afin de dire que et après stage, nous sommes capables de dire que 60 joueurs, nous pouvons être avec un effectif de 21 joueurs, nous capables de participer dans le championnat CONCACAF qui a fait dans le pays Mexique. Mais comme le calendrier a présenté, dimanche 21 juillet à 9h06, Mexique, Haïti, match à Vienne Stade, Sergio Leon Chavez. Haïti, Mexique, l'autre match Haïti a joué le 24 juillet, dans mercredi à 7h06 p.m. Haïti, Panama. Et puis dans samedi, 27 juillet, Guatemala, Haïti à 7h06. C'est cadre premier tour championnat CONCACAF que Haïti lui-même pas la participer dans le pays Mexique. Et puis la question on a page anniversaire forme que équipe on a mettre un football club là 19 juin qui se passait là et bien équipe là se fêter 19 ans et profiter dit monsieur bonne fête à tout joueur supporter dirigeant équipe on a mettre un football club qui se fêter 13 ans d'existence. Et puis on a rentré dans la Coupe du Monde moins de 20 ans, qui a fait à ce 31 août pour arriver 22 septembre 2024. Mais comme différentes coupes ont présenté, dans le groupe A, on a bien Colombie, Mexique, Australie, Cameroun. Dans le groupe B, France, Canada, Brésil, Fidji. Dans le groupe C, Espagne, États-Unis, Paraguay, Maroc. Dans le groupe D, Allemagne, Venezuela,
Nicaragua et Nigeria, excusez, et Corée du Sud. Dans le groupe EA, c'est Japon, Nouvelle-Zélande, Ghana, Autriche. Dans le dernier groupe là, Corée du Nord, Argentine, Costa Rica, Hollande. Ça, c'est éliminatoire Coupe du Monde, moins de 20 ans, qui a fait sortir 31 août pour arriver 22 septembre. Dans le basketball, faut dire que après l'équipe Boston, l'IT remporté saison 2023-2024, mais comme un tableau a présenté, Boston gagne 18 trophées, derrière la Lakers qui avec 17, Warriors gagne 7, et puis l'équipe Chicago Bulls avec 6 trophées. C'est comme ça la situation présentée dans la question de basketball. N'a pas fermé un premier parti avec une note vraiment triste. Gagné Donna Céleste Arantes, c'est la maman de Pelé. Maman Pelé, elle mourit jeudi à l'âge de 101 ans. 101 ans, Donna Céleste Arantes, maman Pelé, mourit jeudi. Il n'a pas appelé que Pelé était mouru 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans. Nous allons prendre pause là et nous tourner la porte d'emblée dans la Coupe d'Europe et la Coupe Américaine. South Florida, on Sunday, June 23rd, William, New Jersey Promotions, Solo Entertainment, and Goodfellas Entertainment presents The Ultimate Day Brunch. While you got them, say we cool like me. Breeze, the yellow and white summer edition. And to make this event special, come rock with Icky. Trio that changed the HMI will be performing live at Breeze, the Ultimate Day Brunch, along with Kai. Sunday, June 23rd, from 2 to 10 p.m. at 400 Southwest 2nd Street, downtown Las Olas. The music by DJ K9, DJ Teddy Mix, and DJ Freedom, hosted by Northwood Zaboga. Admission is only $70. Food will be served from 4 to 7 p.m. Tickets are on sale at eventbrite.com. For info, call Big Mike or Solo at 305-763-5761 or 754-917-0676. Sunday, June 23rd at 400 Southwest 2nd Street, downtown Las Olas. Bagay, Tropical Summit. Ah oui, j'ai entendu là. Rendez-vous vendredi 28 juin 2024 ça. Dans Oakland Park Boulevard Fort Lauderdale, nous pour le faire l'obéi avec Starboy là. À ce moment, oui, pour qui ça c'est ou même. Pas oublier une activité ça, Maestro à bla. N'a gagné 5 ans en grand jean. Rendez-vous vendredi 28 juin 2024 ça, dans Chouf Lounge 2674 I Oakland Park Boulevard Fort Lauderdale Florida 33 306. C'est vous, c'est VIP. Rele numéro ça yo 305 622 0076, 754 235 4040. Sommet Tropical. Hi. De retour après la pause, on va suivre Carnet Sportif qui passe chaque mardi, chaque samedi, sous page à Coach Keno la production. Et profiter pour remercier tous les amis qui déjà abonnés avec la chaîne là et ou même qui pourquoi abonner. C'est un moment important pour encourager nous, c'est à l'abonner avec la chaîne Coach Keno la production. Pas oublier qu'il y a ton commentaire, mais surtout, share-le avec la famille, aux amis, pour plus de monde capable de une opportunité de même, capable de suivre Carnet Sportif là. La partie dans Euro 2004 avec un pile résultat pour semaine ça. Gagné équipe Croatia qui fait match nul avec équipe Albanien. Un match très technique 2-2 entre Croatie avec équipe Albanien. L'autre match là, c'est les Allemands qui montrent force dans la Coupe d'Europe là avec ambition pour être capable de remporter la Coupe d'Europe ça. Deuxième victoire pour les Allemands face à avec la Hongrie. 2-0, Allemand au cap imposé au souterrain au lac devant public. 2-0 face à l'équipe Hongrie. Écosse, la Suisse, yon l'autre bel match encore. Écossais ont montré que quand même, yon vin défendre couleur dans la Coupe d'Europe. Ça, face avec l'équipe la Suisse, ça, c'est un but partout entre les deux équipes. Yon l'autre match nul encore dans le cadre Euro 2004 là, entre Slovénie avec la Serbie. Un match qui était très musclé entre deux équipes, mais malheureusement, c'est un but partout.
tous deux tapent chercher une victoire, mais c'est un but partout entre Serbie avec l'équipe Slovénie. Il y a un match nul encore dans Euro 2004 là, déception pour les Anglais qui ont besoin d'une victoire face aux Danois, mais Danois tekembe Anglais en haleine, c'est un but partout entre Danemark face à l'équipe Angleterre. Finalement, il y a un choc que tout le monde a prêté tonne, les Espagnols contre les Italiens. Italiens ont pile question mark qu'a posé autour de championnat d'Italie ça. Autour d'équipe italienne, là, après que l'équipe italienne n'a pas participé dans la Coupe du Monde, eh bien, c'est une grosse défaite pour le football italien face à les Espagnols. 1-0, c'est Espagne qui remporte le match au dépens des Italiens. 1-0. Autriche imposée là, face aux Polonais. Pologne tombée en deuxième fois face avec l'Autriche. Il faut dire que c'est 3-1 que l'équipe Autriche là, les bat l'équipe à Pologne là. Et défaite ça, Livin synonyme de défaite pour l'équipe à Pologne là. Il faut dire que c'est la première équipe tout qui est éliminée dans la Coupe d'Europe des Nations, équipe Pologne ça. La Hollande, la France, eh bien, il y a l'autre choc, mais c'est le même score de départ, score final, 0-0 entre les Hollandais, équipe française. Eh bien, la France qui était arrivée en victoire, autant que les Hollandais, eh bien, c'est 0-0 entre la France avec Hollande. On regarde les différents matchs qui pour discuter pour week-end ça. Georgia qui a joué contre République Tchèque, Turquie qui a joué contre Portugal. Et puis, il faut dire que ce n'est pas le dernier match pour deuxième phase. Dernier match qui va jouer dans la troisième partie, tout match c'est sans calcul parce qu'il va jouer à même l'heure. Belgique, Roumanie à 3h, la Suisse, l'Allemagne à 3h, Écosse, Hongrie à 3h. Tout match n'a pas de calcul. A dit que nous allons arriver dans la phase des choukai. Nous allons dire que fanatique Euro 2004, nous allons entrer dans la phase qui est beaucoup plus intéressante parce que depuis la phase des choukai, là, pas de discussion, faut au moins de vous perdre la coude là, c'est prendre les eaux, font quitter pays l'Allemagne. En entraînant Copa América, la 48e édition, c'est vraiment un coup de tonnerre en pile argentin, champion en titre, qui débarquait dans le stade pour qu'il supporte Messi surtout, qui vraiment besoin champion ça, après au film remporter Coupe du Monde, eh bien, il rêvait les Argentins, puis il fait doubler ça, parce que c'est eux qui ont titre dans la Copa América. Mais il faut dire que c'était dans la deuxième mi-temps que l'Argentin a fait différence, que tu as battu l'équipe Canada 2-0. Il y a une victoire très importante pour les Argentins qui remportaient le jeudi noir, qui battent Canada 2-0. Dans le moment qu'on a parlé là, Pérou a joué avec Chili, mais on a fait tout possible nous avant que nous terminions avec l'édition Sahara pour nous capables de venir avec un résultat. Pérou, Chili, pour même. L'autre match, dans le cadre de la Copa América, ça a joué pour week-end. Équateur a joué contre Venezuela. Mexique, lui-même, a joué contre Jamaïque. Et l'autre match, c'est États-Unis a joué contre Bolivie. Uruguay, Panama. Colombie, Paraguay. Et puis Brésil, lui-même, a joué contre Costa Rica. C'est là la campé avec Canet Sportif là pour aujourd'hui. Hein. Merci le fait qu'on t'a suivre Canet Sportif là, mais pas oublier seul gens capables supporter nous, c'est là que vous abonnez avec la chaîne là et encourager nos amis fait même la voix et ma remercier nous chacun qui déjà abonné avec la chaîne là Coach Kenol Production. Pas oublier que réalisation c'est Jean-Claude Viven, c'est puis dans technique là c'est Varda Henry. Ou même qui t'a besoin service et spot audio vidéo ou capable de contacter Coach Kenol Production pour service de promotion également ou d'arrêter patronner quand est sportif ça, c'est le Leno 786-560-0407, 786-560-0407. Vous êtes capable de suivre et mise ça également sur Addiction Media. Merci, à la semaine prochaine.